Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salam. Je suis bouffi. Ah non, c'est la lumière. Hein. J'ai pas grossi. On dirait que je suis bouffi. C'est vrai que c'est le ramadan. Mais j'ai pas. Je me rase même plus. Ouais, bon, la famille, vous avez vu, le ramadan est déjà pratiquement terminé. Je dirais pas que je sors de prison. Jour de l'Aïd, Yacine, sort... d'abord, tu vas te raser. Hein. Je vous explique le concept. Là, c'est le dernier jour confiné de ramadan. Les gars. Ouais, t'es beau gosse. Hein. Bientôt, là, j'aurai les cheveux longs comme avant. Faut lui trouver une petite femme, les khay, vraiment pour le Aïd, là. Ah, ça ira. C'est le dernier jour de ramadan, aujourd'hui filmé, et on va passer ce dernier jour ensemble. C'est quoi le programme de jour de l'Aïd? Déjà, aujourd'hui, pour le ramadan, on va faire un tiramisu vraiment super bon. Ah, mais excuse-moi. Avec du chocolat. Comment, même les abonnés, comment vous pouvez aimer les tiramisu? C'est trop bon, frère. C'est comme si tu mangeais une matière. C'est dégueulasse, il n'y a pas de matière. Regarde, on va acheter du chocolat tout de suite, c'est parti. Eh, hey, tu connais pas la nouvelle règle? S'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, on ressort une vidéo demain. Donc si tu veux des vidéos tous les jours, like. Là, pour cette dernière journée de ramadan, je suis ému, on est dans le meilleur Raymond. Le meilleur Raymond. Je suis tellement ému, le meilleur rayon du monde. Regardez ce qu'on va mettre dans le tiramisu, incroyable. Yacine, je te fais confiance dans mon tiramisu. Qu'est-ce que tu mettrais en tant que bon chocolat? En vrai, sachant que soit des chocobons. Soit des chocobons, ouais. Soit des Kinder, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une saveur. Moi je mettrais un truc où il y a plusieurs saveurs. Il y a ça aussi qui est pas mal, hein, regarde. Tu croques, tu vois, tu tombes sur de l'Oreo. C'est trop dur. Tu tombes sur du Kit Kat. Tout ce qui est dur, faut pas le mettre. Faut mettre des trucs mous. Ouais, mou. Genre ça. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Kit Kat Ball White. Waouh. Incroyable. T'as rien retenu ce que je t'ai dit, toi? Non, t'as raison, Roulard, t'as raison. Vas-y, je te suis. Tu veux prendre quoi, toi? Attends. Faudrait un mélange de plein de choses. Non, on va prendre ça. C'est quoi? Il y a plusieurs trucs. Du chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Ouais, ça c'est pas mal. Merci. Tout le monde est content. Merci pour ton goût. On est quelques heures avant l'Aïd et j'ai une super surprise pour Yacine. L'Aïd, c'est vraiment un jour de fête. Comme les chrétiens, vous avez Noël, etc. On va aller voir ce qu'il fait. Ah ouais, ça pousse fort. Pour une fois, t'as pas raté une séance. Pour une fois. J'ai raté. Hein? J'ai raté, c'est ce matin. Ah ouais? J'ai que de rater, mais je raterai après la journée. Attends, mets pause au Coran. Mets pause au Coran parce que ça vient de parler comment t'as le Coran. J'allais te dire, j'ai une surprise pour toi pour l'Aïd. Écoute. C'est quoi? Je suis en déshydratation. Les bois de l'eau? Ma gorge, elle est grave. Je peux pas boire de l'eau, je suis grave ballonné. Ma gorge, elle est grave sèche, c'est grave dur là. Après, il demande, ouais, comment on fait pour être balèze comme toi? Arrête de croire tes balles, lui, il est pas balèze. Hein. Qui a dit, j'ai quand même fait pour être balèze comme lui? Je sais pas, il y a des abonnés, ils disent, ouais, comment on fait pour prendre de la masse? Mais par rapport à avant, t'as grave pris, t'es mal les bras que t'as. Il y en a, ils demandent, j'avoue, il a des gros bras, mais il y en a, ils demandent, est-ce que tu peux donner un exercice ou deux pour les gens et tu peux leur expliquer comment t'as fait toi pour grossir? Et bah là, je fais ma série, il me reste une série d'épaules, après on se reproche, je fais les bras, c'est bon. Vas-y, mais juste pour la graille, ça se passe comment la graille? Ah, la graille, bah il faut manger en fait. En fait, la musculation, c'est 30%. Le plus important, c'est la bouffe. Ceux qui sont tout maigres et qui veulent grossir, il faut que vous mangez énormément, il faut que vous faites au moins 4 ou 5 repas par jour. Mais mangez quoi? Mais mangez que des bonnes choses, pas des gâteaux, des graisses, du riz, du poulet et des fruits des et des avocats, légumes. Des trucs comme ça. Fruits, légumes, riz, poulet, vous essayez de manger en tout ça, on va dire 2800 calories par jour en plusieurs repas, vous allez prendre et vous faites de la muscu à côté. Pour avoir un gros bras, il y en a plein qui pensent qu'il faut travailler grave les biceps, mais le plus important, c'est ça qui va faire votre bras, il est gros. Regardez là comment ça pend. Vous voyez ça, c'est ce qui pend là. C'est mon triceps. C'est-à-dire quand je fais ça, là c'est tout mon triceps qui fait le gros bras. Si j'aurais pas ça, regardez, j'enlève ça, mon bras il est pas gros, ouais, d'accord. C'est incroyable. Et comment on fait pour le triceps? Bah les triceps, il faut pousser. Moi je fais des dips, le poids de corps, il n'y a pas mieux. Et quand vous êtes trop facile dans les dips, vous rajoutez du poids, là j'ai rajouté 20 kg pour commencer. Je me rappelle à la salle, je m'étais arrêté à combien, Younes? 35 même kilos. 50 avec. Et là ça fait depuis que je suis pas à la salle que j'ai pas fait ça. Donc ça fait grave longtemps que je me suis pas lesté. On va voir si j'arrive encore. Normalement tu peux. Bismillah. Ouais, c'est grave facile. Monte bien jusqu'en haut. Voilà, là tu les fais grave complet. Comme tu sais que c'est l'Aïd, un jour de fête, ça c'est à toi. Tiens, ça c'est à toi. Ouf. Il ne sait absolument pas ce que je vais acheter pour l'Aïd. Tous les magasins sont fermés. Il m'a dit, je te fais confiance. Je t'ai offert des habits pour l'Aïd. Tu me dis vraiment, vraiment ce que t'en penses. C'est la vérité. Wallah, la vérité. Ok. Et après, vous allez dire que je suis ingrat. Non, t'inquiète. Il est pas ingrat, c'est moi qui ai choisi. Il va te dire la vérité. Il a le droit de dire la vérité. Déjà, avant de dire ton avis, tu montres bien la caméra. Regarde-toi. Un truc comme ça. Avec derrière, il y a ça. Quoi? Mais il manque un truc. Il est où le bas? Il y avait un bas avec. Ils l'ont pas envoyé. Allez, arnaqueur. Pendant la live, JD, t'es sûr que t'as commandé ça aussi? Oui, j'ai payé 200 euros. Wow.
Déjà, t'en penses quoi du haut? Il est bien, mais le plus important, c'est quand tu l'essaies. Est-ce qu'il va m'aller ou il va vraiment aller? Vas-y, essaye. Putain, mais pourquoi il n'y a pas le bar? C'est pour ça que ça m'énerve que les magasins ils sont fermés. Et pourtant, t'as commandé le bar aussi? Bon, ouais, j'ai commandé le bar. Peut-être qu'ils vont te l'envoyer à part. Oh là là. Peut-être qu'il est dans cette boîte-là. Non, mais c'est pour la haine, c'est pour tout à l'heure, là, demain dans la vidéo. Pourquoi ils me font ça, JD? Ils s'en foutent de la haine. Putain, monsieur Emmanuel Macron, bro, vous fermez tout maintenant, on se fait couiller. Excusez-moi pour le gros mot, je suis vraiment désolé. Ah, je suis dégoûté. Ouais, il ne va pas. Hein. Mets bien la capuche, mets bien la capuche. Alors, t'en penses quoi? Il me voit bien. Il est super bien, machin. Est-ce qu'il me va bien, les gars, ou est-ce qu'on dirait que je suis un gros porc? Je suis pas un gros porc, ça va. Non, t'es pas gros. J'y vais alors, discute pas gros. Sur une échelle de 10, tu notes combien? 8, un beau 8. Je pense, les deux derniers du projet qui sont d'ici, il aurait fallu quoi? Une taille au-dessus. Ah, ok. Parce que là, j'aime pas les trucs quand t'es serré comme ça. Là. Mais je vais aller regarder sur la commande, comme ça, y'a pas de bas ouais, aussi. Ouais, le bas, par contre. Ah, bah, du coup, j'ai le bas, comme ça. Ouais, t'as le bas, mais à ce moment-là, j'ai payé. Moi, j'ai ma commande pour la haine, moi aussi. Alors, toi, qu'est-ce que je t'ai pris? Moi, je suis parti sur du Lacoste. Lacoste. Voilà, ouais, bien. On va voir si eux, ils viennent m'envoyer un sac. Tu vois, déjà, c'est professionnel chez eux. Et pourquoi ils t'ont envoyé un sac? Alors, déjà, on s'est pris. T'as pu me faire des baskets? Non. Moi je vous dis. Non mais par contre là je suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi lui il a un ensemble, moi j'ai qu'un pu. Eh, hey, j'étais sur l'ordinateur, j'ai dit quoi? Vous avez vu dans le vlog, Yacine, choisis. Regardez. Mon Lacoste bleu, blanc, rouge, ça existe. Il n'y a que le bas ou le haut aussi, je vais péter un câble. Ils m'ont pas tout envoyé. Je sais pas. Waouh. Machallah, lui il s'achète des beaux trucs hein. Et moi il m'achète que un haut. Eh, hey, je lui ai dit quoi, j'étais sur l'ordinateur, je lui ai dit tu veux quoi, il m'a même pas répondu. Ouais, mais moi, je prends un bas. Mais je t'ai acheté un bas. Oh, on dirait de ma cité va craquer. Les trucs de cité. Ouais, j'ai pris ça avec elle. Il est beau, mais il est pas bien. Tu sais pourquoi il est pas bien? Ouais. La matière, j'aime pas la matière, mais il est grave beau. J'ai pris un bas. Il est grave beau, mais vous voyez, regardez, je sais pas, vous allez voir la caméra, la matière. Vous voyez la matière comme ça, là? Cette matière-là, je suis pas fan, mais il est beau, hein, il est avec, beau. Avec le bas comme ça. Lui, il va pas t'aller. Pourquoi? Il est trop petit, wesh. Mais non, c'est du M, je connais ma taille, poteau. On va faire le tiramisu, la famille, je suis avec ma maman. Bonjour tout le monde. Donc, on va mettre du Kinder dedans, on va mettre des cookies, des spéculoos. Une fois que vous avez mis les boudoirs, il faut mettre les spéculoos, il faut mettre une couche de tiramisu comme ça. On va mettre des cookies dans la préparation, je vais les casser comme ça. Comme ça, dès que tu vas manger le tiramisu, tu vas tomber sur des cookies, tu vas dire quoi? Ange, ça fait plaisir. Donc là, regardez ce que ça donne, la famille, avec les petits bouts de Kinder. Vas-y, maman, tu peux finir l'étape finale. Un peu de coco, un peu partout. Bon, bah, ça y est, dernier photo en vidéo. Ah, c'est assez triste, c'est passé hyper méga vite. Mais on a le tiramisu juste après. Donc, pour ma dernière table, je suis intelligent. Je me dis quoi? Il y a un tiramisu, faut que je mange léger de fou. Donc, je me suis fait une omelette avec des bons petits champignons. Je me suis fait des tomates avec de la viande. Il reste des restes, tu sais, des feuilles de briques, les grandes feuilles de briques. J'avoue, normalement, je dois pas en manger, mais je vais en manger une. Parce que le plaisir avant tout, et je crois que c'est les dernières feuilles de briques après le ramadan, on n'en fait plus. Ma mère ici, elle a fait, viens filmer un petit peu, on leur montre. Elle a fait pommes de terre, petits pois, poulet. Bon, profitez-en, c'est la dernière fois. C'est bon? T'as cru qu'elle avait cassé mon ramadan encore? Sans pitié, il mange le premier, déjà personne. Enfin les gars, en vrai le ramadan c'est toute une histoire, j'ai attendu ce moment là toute la journée, vous allez rigoler sur moi. Vous avez vu, je suis un gros porc, j'aime bien manger mais j'ai plus de place. En vrai je sais même pas comment je vais faire mais c'est pas grave. On va quand même attaquer le tiramisu. Il est où? C'est parti. On va juste goûter le haut là, juste pour voir le haut, la crème blanche là. Tu vois juste ça, cette crème blanche là, on va voir. Bismillah. Le sucre, c'est abusé. Et maintenant, je vais prendre quand il y a tout, avec un petit Kinder, comme ça. Là, ça va être incroyable. Eid Moubarak tout le monde, ça fait super plaisir. Enfin, la fête de l'Aïd avec les dates. C'est là qu'il faut manger en nombre impair selon la sunna. Et elle a la mosquée, mais bon, la mosquée, vous connaissez, c'est pas trop possible d'y aller. Et je te laisse leur souhaiter à Eid Moubarak. Hein. Même toi. Même toi, Aide me bloc, j'ai déjà dit. Vas-y, reçois-le. Fais le malin, on va aller chez la famille, tu vas devoir dire Aide Moubarak à tout le monde. Je peux pas. Pourquoi t'es pas là? Je suis pas là. Ah non, aujourd'hui c'est un jour de fête. Faut aller chez la famille, se rendre visite. Bon,
Le ramadan est terminé, je suis super content. On a réussi à faire 30 jours en jeûnant. C'était hyper dur. On va avoir le droit de manger et de boire. Mais je suis assez triste parce que c'était peut-être notre dernier ramadan. On ne sait pas si Dieu va nous rappeler vers le bas. Non, c'était mal à la tête, je me suis cogné contre une barre de musculation. J'ai mis une vraie tête, j'ai mis une tête, la barre elle est partie grave moins. Et je me suis dit ma tête, j'ai mal. Allez, chef, éclat, chef. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, joyeuse fête de l'Aïd, en tout cas ça fait plaisir. Bon les gars, on vous laisse là, on va passer une petite journée en famille tranquillement. Ciao, ciao.